pays car il ne voudra pas rester indéfiniment sous-développé. Il doit se développer, mais faudra-t-il utiliser quel type d'énergie? Alors le panneau solaire ou quoi d'autre? Bon. Donc la deuxième, ma deuxième question, quelle est la contribution de la République centrafricaine sur les défis de changement du les défis de changement climatique, vu qu'il y a des sociétés multinationales telles que Total et autres qui travaillent, qui exercent dans ces pays, qui concluent des marchés avec l'État sans prendre en compte le problème socio-économique par rapport au peuple, au devenir de ce pays. Donc, j'aimerais bien savoir s'il y a des dispositifs qui ont été pris en compte quant à la définition des normes d'utilisation de produits, des matières premières dans ce genre de pays. Merci. Merci. Alors, on va encore prendre une petite attention. Si vous pouvez faire regarder. Oh, yeah, now move on.